Soki esimbite mwana e bandela e bwada e Soki esimbite mwana e bandela e bwana e Recule pour mieux sauter yaye Bitumba ya zaparonde copiage Recule pour mieux sauter yaye Est-ce que Rolong a bitumba animation? Bon, eh bien, musique est ça, bitumba ya molimo. Mwana bendana. Mais je suis vraiment estomaqué qu'il y ait une multitude de nos compatriotes qui ne font pas le distinguo entre un plagiat musical et sans doute un cri existentiel depuis belle lurette. Le cri de Dona Beja, tralala, et Dona Beja. Bien sûr, ça a été plébiscité à Brazzaville. C'est une création sans doute animatrice de la République du Congo. Mais l'animateur qui a fait à ce que ce cri puisse être dans l'animation musicale de la musique congolaise, c'est un Quinois. C'est-à-dire celui qui a simplement eu le toupet de s'inspirer de ce cri brazzavillois pour en faire que cela puisse être dansant, c'est avant tout un Quinois, Jonathan Missile. Il faut que nous puissions être dans la véracité des faits lorsqu'on fait le débat culturel. Il ne faudrait pas que vous puissiez venir ici, trouver central, ne savoir que publiquement vouloir défendre quelqu'un dont vous savez très bien qu'il n'est que là dans l'éloge du plagiat. Zaparo a fait un plagiat. Et il faut qu'on soit censé de le dire. Et dire cela, ce n'est pas insultant. Pourquoi vous voulez aujourd'hui que les gens ne puissent pas être dans le dévoilement de la vérité? Il faut que nous puissions être dans le désir noble de refuter les menteries et d'être juste. Quand Zaparo était comblé de faire la criade de l'animation à travers ce cri « Tralala, Dona Beja », il devrait être dans la contemplation de toutes les animations que nous avons simplement pu écouter de la musique congolaise. Là, il devrait être un véritable artiste. Mais dès l'instant, il y a déjà eu quelqu'un qui a réalisé cela. On ne peut pas être dans un discours vide en disant que non, de toute façon, c'est un cri qui vient de la République du Congo, donc ce n'est pas du plagiat. C'est-à-dire que vous êtes là même en train de tuer le débat musical, la véracité des faits. Il a fait un plagiat parce qu'il n'est pas le premier à plébisciter cela. Celui qui a été le premier à plébisciter cela, c'est l'animateur de JB Mpiana. C'est comme l'animateur, c'est le Scrab. Il avait bel et bien reconnu à tue-tête que Koimiko est un cri que j'avais copié d'un animateur brazzavillois. Parce que le premier à faire la criade de ce cri à travers l'animation, c'était l'animateur Arafat. Donc il faut reconnaître que Zaparo a fait un plagiat. Il n'est pas le premier à faire la chantonnade de l'animation de ce cri. Dona Beja. Le premier, c'est Jonathan Missile. Hein? L'animateur de JB Mpiana. Donc, c'est triste. Au lieu de beaucoup travailler, il n'est que là à faire beaucoup de tchouk. Et à passer dans les émissions pour ne savoir que jaboter contre Zebira. Donc, je voulais ici être dans cette déclaration qui est avant tout véridique pour que, en effet, qu'on puisse comprendre que nos artistes doivent travailler. Zaparo, c'est triste. Il ne cesse pas de prôner le plagiat. Dès le préambule de la naissance de leur orchestre, vous savez très bien que leur générique choc, Zaparo avait fait le plagiat d'un animateur qui n'est pas moindre de la RDC, Toutou Kaloudji. Donc, pour lui, le plagiat est devenu une touche spécifique, alors que c'est condamnable. Moi, je suis un artiste, je parle ici en tant qu'un artiste. Le plagiat doit être condamné. C'est seulement ceux qui n'aiment pas la musique ou simplement la culture qui peuvent faire des hurrahs au plagiat. Zaparo a plagié et c'est condamnable.
On ne peut pas continuer à dire que ce générique est bon au moment où vous savez très bien qu'il y a eu du plagiat. Donabeja, tralala, c'est Jean Tamisil qui est le premier à plébisciter ce cri musicalement d'une manière animatrice. Donc, le droit revient à Jean Tamisil. Bon, ça, Rabiso Sony Aboyete. Oh, tu vas copier les cris de Troui que les Quinois ont reçu à mieux musicaliser et tu voudrais que les gens puissent être dans le mutisme. C'est condamnable. Donc, il y a moi tout à l'équipe. Et ça là qui pourrait répondre biso et l'eau ya boui. Boui ya sonico. Oh, bah qui noie le lobazo bina mo patio. Allez, bino au lieu de la responsabilité. Ya go crié biso ba cri oyo. Bah qui noie go pate bango. Bino bozo kende encore. Koza la gloire. À ne savoir que prendre ce que les Quinois savent mieux perfectionner. Mais c'est une honte. Zaparo fait honte. Il n'est pas dans la gloire de l'animation de la rumba congolaise. Donc, il faudrait qu'il cesse de faire le plagiat. Choc au plagé, Toutou Kaloudi. Awa, au Yugo plagé, les sous sous Jean Tamisil. Mais c'est triste. On doit épingler cela. Parce que c'est ça qui tue la musique congolaise. Là, je vais recevoir un musicien de la République du Congo qui a été plagié par Koffi Olomide. Mais il est attristé. Parce que le plagiat dans la pensée de nos artistes est souvent effacé. Alors que le plagiat ne devrait pas être minimisé. Parce que c'est ça qui fait à ce que nos artistes puissent aujourd'hui mourir pauvres. Je veux le recevoir. Hein? Il viendra parler dans mon émission parce que ça lui fait mal. Comment un artiste qui se considère comme une légende, Koffi Olomide, peut trouver sublime de plagier l'œuvre d'un artiste sans que cela puisse le choquer. Il viendra parler dans mon émission. Donc, le besoin ici, c'est de dénoncer le plagiat. Le plagiat ne peut pas être une rubrique spécifique de la musique de nos artistes. Parce que le plagiat est en train d'appauvrir nos musiciens, que ce soit dans la créativité musicale et sans doute même dans leur vécu. Donc, aujourd'hui, moi, je me lève contre le plagiat. Voilà. Les musiciens doivent travailler parce que ce sont des artistes. Quand on a comment livre nanga, na s'inspira kaka na ba création nanga, parce que je me disais que en tant qu'artiste, je dois me constituer à pendre aux gens de la nouveauté. Je ne peux pas m'établir à ne savoir que plagier, parce que dans l'art, quand tu plages, tu es dans la fausseté et tu es condamnable. Et Bele Bolobara Kili Kili n'a pas internet parce que vous ne connaissez pas l'art. Vous savez c'est quoi le plagiat? Vous savez c'est quoi la créativité culturelle? Vous venez jaboter sur les réseaux sociaux. Je dis ici que c'est condamnable le plagiat qu'il a réalisé. Vous venez nous faire ici un discours que je trouve avant tout babiolesque. Oh non, c'est un cri brazzavillois. Qui vous a dit ici que ce n'est pas un cri brazzavillois? Faut pas confondre les choses. Si vous êtes bête, restez bête pour votre famille. Ne venez pas exposer votre bêtise sous la toile. Ne venez pas abêtir les gens. Le cri peut être brazzavillois, mais celui qui a le toupet de faire de ce cri une musicalité dansante restera la première personne dont on doit octroyer le trophée comme étant le créateur de l'œuvre. Et le créateur de l'œuvre, c'est Jean Tamisil, l'animateur de JBM Piano. Celui qui avait lancé cela. Maintenant, lui, il vient copier cela, on condamne ça. Oh non, on est contre. On sera contre lui. Pourquoi? Il fait du plagiat. Le plagiat est condamnable dans l'art. Dans certains pays, le plagiat peut conduire à la prison. Dans certains pays, quand un artiste, tu fais le plagiat, on te condamne au mutisme. On efface simplement l'œuvre que tu as réalisée. C'est parce qu'au Congo, nos autorités sont dans la complaisance. D'autres, ils sont simplement dans la négligence. Hein? C'est parce que vous n'êtes pas des culturels. Un vrai culturel ne peut pas aimer le plagiat. Parce que le plagiat est en train d'appauvrir nos artistes. Le plagiat est en train de faire à ce que nos artistes puissent devenir simplement des paresseux. On doit condamner cela. Hein? Et comme en train de dire Jordan Okomi, un générique doit avoir un ou plusieurs cris phares. Ce que Zaparo vient de faire se dit déjà entendu.
il n'y a rien de nouveau. Voilà. On doit pousser nos artistes à travailler. Parce que, ma générique est belle, pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas énormément. Mais à cette allure-là, ils vont appauvrir leur soi-disant manager. Il va s'appauvrir. Le pauvre qui était un ancien danseur, il va s'appauvrir. Hein? Faut pousser nos artistes à travailler. Vous êtes fous, hein? Donc, vous vous confondez un cri qui est déjà existentiel avec quelqu'un qui a pu musicaliser cela. Mais, comment on l'appelle, l'animateur quinois, c'est le Scram. Lui-même, il a reconnu dans les médias que le cri Koimbiko, c'est un cri qui vient de Brazzaville. Mais, il y a déjà eu un artiste brazzavillois qui avait pu musicaliser cela. Nanayoka, ça m'avait simplement plu. J'ai récupéré cela. J'espère que Zaparo aura ce courage de venir dire publiquement que ce cri-là, même si c'est un cri brazzavillois, le premier animateur à musicaliser cela d'une manière dansante, c'est Jean Tamisil, l'animateur de JB Mpiana. Tozalaka na art na sincérité akolobaka makambo. Lelo tozana musicien na biso ya République du Congo oyo Kofi a plagié nzembo na ye. Je vais le recevoir dans mon émission. Il viendra parler et condamner cela. Et je suis avec lui parce que on en a marre de ces artistes qui ne travaillent pas et qui s'agrippent à ne savoir que prendre la créativité des autres sans avoir le courage de dire à tue-tête que j'ai copié. Disons au moins public comment vous avez copié. On peut un peu vous pardonner. Mais toi, tu copies, tu es arrogant. Tu copies, tu viens jaser. Mais tu es une honte pour le progrès musical de notre pays. Et on se rend compte que tant après les bandes de la capitale, c'est nous. Mais vous avez raison. Dans ce qui consiste la tricherie, dans ce qui consiste à ne savoir que nous redonner les vieilleries. Hein? Arrêtez ça, les Congolais. Poussez nos artistes à travailler. Hein? Oh, c'est-à-dire que les Congolais, pour notre fanatisme, beaucoup poussé Motola Diboulou. Il a fait le plagiat. J'ai des gens qui m'écrivent, « Oh non, Valentin, tu sais, c'est un cri brazzavillois. Oh. » Mais qui t'a dit que ce n'est pas un cri brazzavillois? Est-ce que vous connaissez c'est quoi le plagiat? Ça dit que c'est là où je pense que il faudrait dans le débat de la musique que nous puissions être intelligents. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Tellement nous avons dans le débat de la musique donné accès aux ignares. Voilà pourquoi c'est devenu comme de la routine pour certaines personnes de venir jaboter des avanies dans le débat de la culture. Le besoin ici, c'est d'être dans la certitude de ne pas nier que la musique n'est pas seulement une passion. Parce que nombreux en Afrique, ou notamment les Congolais, nous réduisons la musique à une passion. Au-delà de la passion, la musique est avant tout une science et sans doute un métier. Donc, le débat de la musique doit aussi être scientifique, c'est-à-dire intellectuel. Ça ne devrait pas être un débat basique. Ce n'est pas parce que les Quinois vous ont simplement apporté un débat de la musique basique et vous voulez aussi, vous les Brazzavillois, s'engouffrer dans cette quintessence de croire que le débat de la musique doit être basique. Voilà pourquoi même dans les polémiques, vous êtes si bas. Parce que vous polémiquez dans l'idéalisme de ce que les Quinois, pour la majorité, vous ont servi comme plat. Comme les Quinois venaient avec des polémiques d'aberration, vous aussi vous tombez dans cette façon de faire les choses. Non! Même la polémique doit être intellectualisée. Donc il faut qu'on condamne le plagiat. Le plagiat dans l'art, c'est quelque chose qui est considéré comme étant un péché. Vous ne pouvez pas prendre le plagiat à la légère. Hein? Hein? Nous avons Pavel Ondaï qui dit Nouvel Horizon avait critiqué l'Ikofi sans oublier que c'est un nouveau cri. Nouvel Horizon n'est pas dans la créativité musicale. Ils passent leur temps à jacasser sur la toile sans travailler. Je suis fan de Roga Roga et Extra Musica à vie. Comme mon cadet Jordan Okomi. Merci Pavel Ondaï.
Non, moi je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement notre posture de fanatique que nous devons plébisciter, mais le raisonnement de la véracité des faits qui doit être notre penchant. Je suis d'avis avec toi que Nouvel Horizon, notamment les apparos, les sonores, les didos, la plupart de ces acteurs de cet orchestre passent leur temps à jacasser sur la toile sans travailler. Parce que ce travail n'est pas original. Cher Brazzavillois, si nous-mêmes, on n'arrive pas à mieux critiquer nos artistes, c'est qu'on est fourbe. Il faut qu'on ait la volonté de dire à bon escient la véracité culturelle. Nous sommes confrontés à un orchestre dès la naissance de leur premier opus, il y avait le plagiat. Dans Choc, Zaparo avait plagié l'écrit de Toutou Kaloudji. Là, il revient faire encore la même chose. Mais le monsieur ne travaille pas. Excusez-moi. Le monsieur ne travaille pas. Hein? Le monsieur ne travaille pas. Hein? Le monsieur ne travaille pas. Tomona ba Rafat. Tant au Bayaka kana puissance et animation extra musique. Tala arsenal ya ba cri oyo Arafat a créé. Azwa kutu cri o ezalaka nango populaire chimban sakala a musicalisé yango. Ce qui Arafat a sala ki bongo parce que azalaka créateur. Ça on peut comprendre. Parce que zaki tena moto liboso moto yemba cri yango na animation de la rumba congolaise. Arafat a zu yango na stade, a musicalisé yango, a ambiancé yango. Ça peut comprendre. Donc, moto oya koyaka après Arafat, a koyemba li susu, si imban sakala tokoloba ko kopie Arafat, o sali plaja. C'est ça, moto ali bosso oyo, a ko sali loko, ata eza iloko populaire. Tant kaza moto ali bosso, eza iloko na ye. Meno yo so koyena sima, e komi plaja. Et de sur quoi, il n'a rien modifié. Azu yango tel que moninga yemba kyango tra la la e do na bet c'est quoi ça? Tout ça pour ça. Bon ça la batoma kelele, vous êtes là en train de brunir vos lèvres au lieu de travailler, c'est pour venir nous pondre de cris de plage. Hein? Non, refutons que nos artistes puissent être dans la paresse. Hein? Oh, franchement, c'est triste, hein? C'est vraiment triste. Donc, chers compatriotes, je tenais simplement à vous apporter cette clarté. Il ne faudrait pas que vous puissiez ici croire que lorsqu'on dit il a triché un animateur quinois, on est en train là d'être contre lui ou simplement d'être dans l'excellence d'oublier que c'est un cri brazzavillois. Non. Il faut que vous puissiez comprendre la véracité culturelle. Le cri peut être brazzavillois, mais si dans la musique, le premier à musicaliser cela, à ambiancer sur ce cri est un quinois, reconnaissez simplement que si vous venez après lui plébisciter ce cri, vous avez fait le plagiat. Vous avez fait le plagiat. Donc, c'est triste. Hein, c'est triste. Vraiment, je me rends compte, souvent on fait les débats avec des gens qui n'ont pas la quintessence de mieux disséquer la véracité des faits. Et c'est là où ça me fait mal. Parce que lorsque je vois certains Brazzavillois qui jabotent sur les réseaux sociaux en disant simplement que non, la musique doit se limiter à banaliser le plagiat, je crois que vous êtes là en train de mal faire à ce que notre musique puisse mieux aller. Donc, j'aimerais ici vous dire que le noble désir qui doit être notre penchant, c'est de se battre contre le plagiat. Zaparo a plagié un animateur quinois, l'animateur de Jimmy Piana. Donc, c'est quelque chose qu'on doit condamner. Le plagiat est en train d'appauvrir nos artistes. Le plagiat est en train de rendre paresseux nos artistes. Le plagiat est en train de faire à ce que la créativité musicale dans la rumba congolaise puisse être drastique. Le plagiat doit être condamné fermement.
pas de pitié. Je salue le président Stavel Diams. La bossanité Yaya Rémi Brice, Yaya Bati Kayo, Yaya Rémi Brice Bati Kayo. Donc, ce qui oyebi qui plagiate, écris mon inbox, je vais t'expliquer. Pour Mikolo, tu repères ça va court. Naba oyo bayaka kolobela ma musique na lo yenge. Nous, on n'est pas des baladeurs. Voilà. On est venu dans la musique pour contribuer d'une bonne manière. On n'est pas venu dans la musique pour simplement avoir du succès frétin. Non. Moi, je ne suis pas ici pour que l'artiste puisse simplement être dans les babioles. Parce que l'artiste doit être perçu comme un prophète. Et un prophète n'est pas dans le plagiat. Donc, voilà. Mais, l'artiste ne doit pas vivre dans le déni. Parce que l'artiste, c'est celui qui crée. Donc, on a besoin de créer. Au moins, il y a un livre qui plage à Ezate. Tu plages à Victor Hugo, tu plages à la Bartinité. Mon délai à Tangangwa, c'est pénal. Quel narrateur poétique. Aux femmes, les beautés immortelles. Valentin Prince Levane, félicitations. Dans le Sabino, lien, il y a journal Oyo Mondela, le bel livre. Qui plagia les awate, c'est ça un artiste. Artiste, ça va monter, va plagiater. Artiste, il faut créer. Pour l'art nécessite la création. L'art, ce n'est pas venir encore remettre ce que l'autre a déjà créé. Non! Soyez convaincus que moi je parle ici en tant qu'un artiste parce que j'ai pu pondre l'œuvre culturelle. Ozaba œuvre. Ce qu'on a comme livre dans la vie, tais-toi. Quand nous on parle ici, on parle d'une manière sans doute culturelle. Donc ne venez pas distraire les gens. Il a plagié. Pourquoi vous voulez distraire les gens? Bonjour Kevin le Gabonais. Oh. Vous voulez fatiguer les gens en ne savoir que féliciter quelqu'un dont vous savez très bien qu'il enlève même à notre musique la volonté de mieux créer les choses. Oh, mais ne blaguez pas avec la musique. Hein? Oh. Yeah. Donc, merci aussi à tous ceux qui ont déjà acheté mon livre. Je vous félicite énormément. On est déjà à une cinquantaine de personnes qui ont acheté ce livre, donc bientôt on va dépasser cela. Donc merci Nabino, Nzambabate Labino, c'est ça la vie. La vie, faut créer, faut pas copier, faut créer. Voilà, même Likambayi Koloba, tu sais, cher président Stavel James, il faudrait qu'on soit dans l'actualité. Moi, je ne sais pas comment les Brazzavillois, vous pouvez être dans cette responsabilité-là de ne savoir que vous habitez. Quelqu'un vient faire une déclaration qui n'a pas de lien avec le présent parce qu'il vient relater des choses qui ne sont pas tangibles. Il vient dire, oh non, nalongoli bakuni, nzungo gobele lisusute an. Mais puisque tout ça est sous un zungouté, comme en train de dire Stavet James, maintenant c'est l'Ikofi qui domine. Donc vous voyez, c'est quelqu'un même dans la création, il est en retard. Mais tu ne peux pas être en retard dans la musique. Un copieur professionnel est toujours en retard parce qu'il n'arrive pas à mieux cerner le présent. Bon, il y a quoi d'avantageux dans ce que Zaparo a dit? Oh non, ah on a le moli bakuni nzungu ko toko les sous-souté. Mais bisous aussi dans les temps nzungu. Basi balamba, basi balia. Attends, le moli bakuni. Et comme ça, la bisonine. Bisous, bilat aussi dans les. Et je vois des pages maïezins qui sont là en train de partager cela. Oh non, il a dit ceci. Ça devient l'objet de la polémique. Tellement nos pages là sont bêtes. Pour eux, ils veulent maintenant nourrir la toile à travers une fausseté historique. Parce que c'est une fausseté historique. Bisot aussi de l'ekanzungu. Parce que balamba d'ilia, aussi de l'ia. Soko bimisa bon époque, oh nzungu et bimagi, to lingi to sa la polémique. Mais bato basi balien nzungu, basi babini nzungu. La danse le tengu, to bini yango na nenga ko sakante, to bilia to li, to toni.
tu veux que tu coffee. Au lieu de faire des coffee, mais comme c'est un copieur professionnel, il est toujours en retard. Aux gens qui ont le non, 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 donc nous avons tout à l'issue. Donc tu t'as dit ça dit que ça dévoile sur le mot. Moi pigme mon roboy à l'obanaye et l'oba station oui pigme mon aïe à un zoom ou cala à l'oba station oui. Oh c'est là où je vous dis nos musiciens doivent travailler parce que ce gars au travail n'a pas à l'aga comprendre au loba marambo et ça lié n'a li kofi pour plus au lobby et comme il dit tout ma yamolimo. Mwana bendana. Mais il faut que la citation oyezo kende na sens ya mambo oyo balobi. Parce que c'est ça l'actualité. Et comme bituma ya molimo mwana bendana. Bon. Bituma molimo yo yo benda bakuni yo sala nini. Parce que et comme bituma ya spiritualité ato bendi bakuni spirituel au tu as battu. Ah franchement. C'est triste. Ato bendi bakuni pour comme bituma molimo. Spirituellement maintenant tu comme bunda attends beni bakuni ko salani faites la musique au lieu de ne savoir que passer dans les médias pour jacasser comme les femmes qui n'ont pas de mari. Alors on a Rock Tabatamba qui dit c'est même pas un débat, c'est un plagiat point barre. Zaparo devient l'ombre de lui-même, son problème c'est qu'il croit être le meilleur. En sortant beaucoup de génériques, malheureusement, il ne travaille pas. Donc, il y a aussi la direction artistique de cet ensemble qui accepte tout ce qu'il leur propose, comme animation, comme sonore, comme animation. Et comme Sonore et Ramatoula, ils n'ont pas ce don de bien cadrer cet animateur. Voilà, il nous fait du n'importe quoi. Chose que Roga et SP Bass ne toléraient jamais. Voilà. Hein? Voilà. Bisoto komi na époque yali Kofi et Gogo. Yozo ya roulema biso bendi bakuni. Biso na li Kofi tolobi et komi bituma ya molimu. Mwana bendana. Yo ata o longoli bakuni. Mais comme déjà bituma molimo mais vous savez bisoni et vous savez bisoni l'orote après ton lobby risusu mwana wa fioti kamana kusakana na mukamuna komi ça dit que soko sakani yo mwana moke oyo to lagisa yo to peso correction maintenant comme Sonore tik moke azwa bak na vite olia que ne même na cour du soir il vient mal traduire les choses au nom balobi que bako beta papa beta gamwana te c'est-à-dire que tu confonds les choses. Il ignore que nous les bantous on donne parfois les fessées à nos enfants. C'est pitoyable hein, qu'un bantou tu viens là parler comme si tu étais un occidental. C'est-à-dire que les gens sont totalement dans l'aberration. Voilà pourquoi je vous avais dit ici le musicien ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être dans le porte-parole là ou celui qui veut jouer l'intellectuel. Non! Sortez de ce sentiment-là, du fanatisme. Ayez le bonheur aujourd'hui de toujours mieux réfléchir. Tant que vous avez dit, tout n'a pas de bateau, vous avez dit. Gildas, c'est que, Motenayo, journal Gildas, Matikayo. Hein? Oh! Donc, vous avez dit, vous avez dit, et comme vous avez dit, papa, on a dit, donc, vous avez dit, 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 vous êtes vraiment perdu, hein? Tiens, dis. Zaparo parle trop. Le problème c'est qu'il ne fait rien de bon. Hein? Déjà depuis qu'ils ont créé leur orchestre, tout ce que Zaparo est en train de pondre comme animation n'arrive même pas à atteindre 5 millions de vues YouTube. Hein? Ils ont le bel avis noté. Alors que quand on a débat, il y a vu YouTube. Roga Roga qui n'est même pas animateur, qui s'est improvisé animateur. Pobino, bo fingaga et Didier, bo fingaga obolingi. Mais comme c'est un musicien, il a l'oreille musicale. Il avait compris la tendance de l'animation. Il a dit, on va imposer une nouvelle musicalité d'ambiance. Bokoko musique. 50 millions de vues YouTube en 2 ans. 50 millions de vues YouTube. 50 millions, c'est-à-dire que
Bokoko seul fait aujourd'hui le quadruple de la population congolaise. Bokoko oyo bozo mona wana. Et tu as des Mayeza qui reçoivent des apparos et des sonores qui viennent jaboter des imbécilités. Oh non, après, les bandits de la capitale, c'est nous. Orchestre Betata, même stade, il y a Pointe Noire, t'es. Même stade, il y a la Songa, t'es. Bah, ça l'a plein, dans le stade Mogoté. Dans 5 ans, mais c'est eux qui veulent maintenant distraire les gens. Arrêtez ça! Même si vous avez un succès autour de Roga Roga. Mais vous avez un succès, on peut en aller bien. Pour ceux qui ont un succès, ça sera d'une manière momentanée. Et là, on est bimino. Bon, après, même pas 2 mois, tu es bon sans nom. Parce que, awa bato tout baso de la raque, il y a un vieux SP bas. Mais il y a qui m'a extrait. Je vous dis, et je vous le redis, le travail va simplement pousser beaucoup de gens à s'interroger. Parce que beaucoup vont changer de métier. Parce que ce que l'aîné SP Basse va apporter comme progrès culturel, non, c'est un travail supérieur. Tu sens que le monsieur est en train de prendre son temps. Et c'est ça un artiste. Ce n'est pas une histoire de paraître. C'est une histoire de mieux faire son travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de musiciens qui veulent paraître. C'est ça qui fait à ce que leur musique ne puisse que être dans le plagiat. Ah, vraiment, je préfère écouter les Juventus que d'écouter le générique de Nouvel Horizon. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais vous savez très bien que on ne pouvait pas attendre des apparos une telle création musicale. C'est de la fatracie. C'est de la fatracie, je vous dis, chers compatriotes. Hein? Ça, c'est du jabotement de l'animation. Il faut que Zaparo puisse travailler. Vous savez, moi, je le dis sincèrement, lorsque j'ai commencé à écrire mon livre, j'étais encore au collège. Hein? Bon, imaginez, nagina na collège, tant qu'on a banali kokoma ba poème au sous ce livre là. Jusqu'à la commune à l'université. Jusqu'à ce que même l'université n'a pas dit que revoir ma poésie. Mais tant que je suis satisfait qu'il y ait plus de 10 personnes au Batangi livre. Ah, Valentin, on est vraiment dans l'allégresse de te féliciter parce que ton livre, on sent que tu es un littéraire. On sent que tu es un artiste. Parce que tu as pu nous apporter des thématiques d'une manière poétique où on s'est retrouvé. Vous voyez, on a préfacé un livre. Hein? Livre. Vous voyez, on a préfacé un livre. Parce que, moto, pourquoi préfacer un livre? Il y a des gens qui ont été en train de préfacer un livre. Maman Marie-Léontine Tibinda. Il y a une littérature. Il y a c'est qui? Maman Marie-Léontine Tibinda. L'une des grandes dames de la littérature congolaise. Parmi Madame Oyobasa, la fierté à la littérature congolaise, on la citera parmi les 5 premiers. Moi, si Mogwa Kouma, ma livre Oyekanga Afrique et Kanga Boki, aujourd'hui elle est installée au Canada. Autant la préface soit Kouma Ponanga. Ça dit que les gens veulent parler de Léval Valentin, mais ils ont compris que. On n'a plus les mêmes diapasons. Hein? Monsieur Impossible, Mbote. Hmm? Pour ébeler Bolinga raté, même Sabino verra rester les faits. Na autant Sabino aura moins extrait. Hein? Il y a maman Marie Léontine Tibinda, grande personnalité de la littérature africaine. Aloubaboule. Valentin Prince Levan s'ouvre au monde. À l'Afrique où l'on grandit aussi magnifique. Pour une construction laborieuse de l'amour qui finit par apaiser les cœurs, apporter le bonheur et triompher de tout. Ça, c'est elle hein, qui est en train de parler de l'œuvre aux femmes, les beautés immortelles de Valentin Prince Levan. Voilà.
Donc c'est pour vous dire que un artiste ne peut pas être dans le plagiat. Un vrai artiste doit toujours se battre pour qu'il puisse s'éloigner du plagiat. Hein? Donc nous condamnons le plagiat de Zaparo. Parce que c'est un musicien qui doit créer. Comprenez que le plagiat est condamnable. Motenge Belna Hardy. Le plagiat est condamnable. Zaparo a fait un plagiat. Il faut condamner cela. C'est clair. Bonjour Cabri. Je me porte très bien. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. On a Belna qui dit c'est un plagiat de glace de Zapouri. Alors, il y a Cabri qui dit Cabri Nkomo. L'animateur Foufou Zaparo, je suis vraiment déçu de lui. Et pourtant, ils ont un autre animateur, Abraham. Là, je donne raison aux États-Unis. Bon, voilà. Vous savez, ce qui va sauver l'art musical du Congo, c'est la vérité. Moi, quand je me suis levé ici à soutenir à Foison Rogaroga, c'était dans l'optique véridique de faire comprendre aux Congolais que vous ne pouvez pas tuer celui qui est meilleur. Parce que si vous passez votre temps à vouloir détruire celui qui est meilleur, vous êtes là simplement en train de vous engouffrer dans une faisance culturelle qui est avant tout aberrante. Donc, soyons vrais. Et s'imiter. Bango mongo ba yemba. Soke simbite mwanae. Bandela eee. Reculer pour mieux sauter. Donc, reculer pour mieux sauter. Reculer. Parce que bino eza sou reculer pour mieux sauter. Bino fou reculer. Pour bon sauter du sou. Papa, tu as eu quelques mois de préparation pour venir nous chanter. Tralala, et donable. Donc vous pensez que un Congolais consciencieux peut danser ces chansons des Aliboro, ces chansons des délinquants, ces chansons des catcheurs. Oh. Et pire encore, il y a eu déjà Jean-Tamissile qui avait fait déjà la chantonnade d'animation à travers ce cri. Mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. Et quand on veut dénoncer le plagiat, tu as les Congolais qui sont là pour dire que non, ce n'est pas du plagiat. C'est un cri brazzavillois. C'est triste. Hein? C'est vraiment triste. Donc, il faut encourager nos artistes à travailler dans la création. Et non qu'ils puissent passer longtemps leur temps à venir sur les réseaux sociaux, ne savoir que créer des débats de la tempête et en ne sachant que trouver meilleur de faire du plagiat. C'est vraiment triste. Bon, Zambazana Bino, n'oubliez pas, c'est mon livre, « Aux femmes, les beautés immortelles ». Hein, Bosomba. Na félicité ba o ba soba ki déjà en haut ba o ba lingi ba soma ngo na mboka. N'hésitez pas de m'écrire en inbox parce que il y a un lot qui vient d'arriver encore parce que lot na tinda ki sila ki na tinda sou lot mosu sou don bo komelanga comme ça on va passer le numéro ya moto o boko commander livre nanga na mboka za 7000 francs CFA na mboka za 7000 francs CFA a o za 10 euros donc n'hésitez pas de me contacter hein ceux qui bolingi botanga création. Oh, ils en ont plagiaté. Oh, ils ont le Van Valentin à Vandela qui a un oiseau boulé. Oh, ils ont le Batamaele. Soyez fiers de ce que vous avez créé loin du plagiat. Oh, ma livre, oh, ils ont créé, ils en ont plagiaté. Ils ont plagiaté. Montamaele a plagiaté. Voilà, nous on réfléchit. Tout le monde qui plagie, nous plagie. Voilà pourquoi même sur mon compte.
Facebook vous constatez que les réels arabes textes à bateau qui l'irrité jamais n'a pas encore on a imaginé dans l'oba oyo oyo mon thème n'a pas pensé pousser dans la coma c'est ça voilà on n'est pas là à l'école pour tomber dans les chuchotis. Yeah Belna babikinge un artiste a l'obligation de créer, il n'a pas l'obligation d'être dans cette honte profonde de ne savoir que plager. Donc, chers compatriotes, conseillons Zaparo. Oui, comment n'ayez mon plage. Animateur et mon plage. Animateur et mon plage. Sonia, tu es encore jeune. Au lieu de faire la création de choses positives, toi, tu es dans la création de choses négatives. Zaparo, ben. Moto choke belé complexé, toko gagné ni nguna. Eh. Tu as des gens qui sont là au nom les vannes, tu es en train de l'insulter. Est-ce que ce que balobina est à ça la choke va finir? Il fait le choke, on l'a insulté. Moi ce que balobina ngana ça la choke côté, boko finir ngaté. Ah, yewana, noiro, à ça la choke côté, boko finir ngaté. Pour je m'assume naturellement. Ce que balobina moto ça la choke, ça un choke man va finir été, puis ça se voit. Oh, donc ce que balobina mondelo za mondelo finir. Oh. Arrêtez ce complexe là. Vous êtes en train de détruire votre peau, d'abîmer la peau que Dieu vous a donnée. Et quand on vous indexe sur ce fait là, oh bah fingier, oh est-ce que c'est la musique? Vous êtes fou, hein? Donc lui, quand il vient apparaître publiquement en ayant une peau décapée, vous voulez qu'on puisse être des aveugles, qu'on puisse pas pointer du doigt cela. Il y a eu un moment où Koffi Olomide était en train de faire le choco. Les gens l'ont rappelé cela. Oh, mais non, vraiment, ça va pas. Hein? Oh non, bon, fini, bah fini, ouais. Et là, nous avons l'obéli en Oran. Et vous le savez très bien que nous avons une bataille à mener. C'est de détruire ce complexe. Parce que les lords d'Amitou à battre Bélé, bon, comment qu'on révasse bateau? Que ce qui m'a dit, c'est Tchoko, comme qui toko. Non, le Tchoko est néfaste parce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ils auront des peaux abîmées. Donc, il faut qu'on puisse condamner cela. Mais si nous, les jeunes, on ne prend pas conscience à condamner ces choses néfastes, mais c'est qu'on va simplement être dans les hurrahs de ce qui n'est pas novatrice pour l'Afrique. Donc, je condamne le Tchoko. C'est un animateur Tchoko. Il devrait avoir honte. Parce que le long de mon abatomosusu, Asalara Choko Belé, il va jusqu'à rougir ses lèvres, il vient là, il prend en photo, il croit qu'il est beau. Non, tu insultes la peau noire. Et en tant qu'Africain, on doit être fier de notre peau. Il y a le rôle en gars, Asalara, fier de ma peau. Attends, mon nez, je suis Africain, et fier de ma peau. Noir et fier. Bisous de rôle, noir et fier. Pas les apparences. Les apparences ne peuvent pas dire noir et fier. Parce qu'ils détruisent la peau que Dieu nous a donnée. On doit marteler cela avec conviction. Comment vous voulez que l'Afrique change? Vous n'avez pas la fierté de la peau africaine. Hein? Bazo finaté, bazo le banéli kambo ya dignité. Hein? Oh, arrêtez ça! Si vous avez sousou, bamiyindo, oyo balini ban ni manenge nzamba sala bango etalibino. So vous avez la narabino ba ignare etalibino. Mais moi je le redis. Je ne peux jamais faire des courants à bateau au basala Tchoko. Il faut te condamner Bango. Au baso, bébé sakande idéologie à beauté. La beauté, c'est ce qui est naturel. Quand ce qui est naturel devient falsifié, il y a une perdition de la beauté. Et nous devons condamner cela. Parce que c'est avant tout de l'hypocrisie. Et mon tassala Tchoko, c'est la beauté. Façade. Baza bato moko ya deta. Ma soko mo yindo. O mona elongi motani. C'est triste. Hein? C'est triste. Après mon bali choko choko belé. Faut la moins efféminé quoi. Pour mon bali ne ni matin yo. Voilà, soko botama mo yindo. On ni matin yo. Il y a quoi de beau dans le Tchoko? Dites-moi, il y a quoi de beau? Vous abîmez vos peaux. Naba 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pourquoi vous avez la lunette? Hein?
Moi, président ou même député, je vais proposer une loi à l'Assemblée d'interdire ces produits-là, éclaircissants, qui viennent simplement distraire les Africains, complexés. Faut être seulement complexé. Si yo, tu vas t'engouffrer à blanchir ta peau pour épater qui? Hein? Oh! Mon délai tout le temps à mon arabino. Je vous dis sincèrement, mon délai. Mon délai tant à mon arabino, oh yo, pas pakolaka. Bah, ouais, ça la choco. Alors, mais c'est décomplexé. Ils sont pas fiers de leur peau. Mais, c'est des gens qui sont comme des girafes. C'est des girafes. Talande mon délai à Zouarabino. Parce que peut-être que quand ça sera pas coli, oye, aux autres, aux autres, non, pour la mon délai aux autres, pour la mon délai aux autres, saleté. Mais il est sale, il est comme un girafe, lui. Je conviens vous dire de vérité sur le vent des cordes. Je suis contre eux, on gagne quoi? Je vous dis de vérité. Parce qu'il faut qu'on puisse détruire l'idéalisme que les Africains ont instauré dans leur tête là de croire que se décaper la peau est une bonne chose. Il faut qu'on puisse se lever contre cela. Ça abîme des vies, ça abîme des beautés. Tu es né naturellement beau. Assume-toi. Pourquoi tu veux suivre un chemin dont tu sais très bien que cela ne sera que désastreux pour ton teint? Franchement, je vous dis sincèrement la vérité. Il faut qu'on puisse dénoncer cela. Et quand on dit cela, on n'est pas contre ces gens-là. Parce que ces gens-là sont en train d'instaurer dans notre société l'acceptation que se décaper la peau est une bonne chose. C'est une fausseté. Il faut qu'on puisse se lever contre cela. Quand vous dites, oh, noir est fier, mais la fierté part de tout ça. De cette volonté que tu as d'assumer ta peau africaine. C'est ça la fierté d'être noir. Et non de venir distraire les gens. Et non, ma wa. L'Afrique ne peut pas changer avec des gens comme vous. Parce que vous êtes dans les rêveries. Hein? Donc voilà. Il y a Rémi Brice Batikayo. Bisot aux autres l'année au plus, il y a SP Bass. Tourobi l'année wana. Oui, Rubi Mawana, ça c'est de la fratracie. Odona Beja, la la la. Voilà, on va la quartier. Voilà, on va la quartier. Son rata aux la quartier. Aya la musique par hasard. Azoa succès pour y'a pemeni roga roga. Tolo banae, papa. Zonga la qui catch. Ou continuons et le thé va produire éclaircissant. Et après, j'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez fait ce même constat avec moi. Pense à parole était dans Extra Musica. Ses cris étaient parlants. Hein? Bon, on va crier au sol. Mandabase qui s'inquiète. Tu vois, il y a le message. Mandabase qui s'inquiète. Ambanda. Mais depuis à Longwa. Dona Beige. Il y a quel message là? Zalala. Il y a quel message? Nous aimons populairement, c'est les catcheurs, les chanvreurs qui chantent ça. Maintenant, toi, tu vas venir nous chanter ça pour nous apporter quel message? C'est triste, hein? C'est triste. C'est pour vous dire que l'animation ne devrait pas être une chose que nous devons prendre à la légère. Parce que c'est de l'art. Animer, c'est de l'art. Parce que tu veux faire danser les gens, mais tu ne peux pas être dans une mesquinerie. Il faudrait que, dans cette volonté de faire danser les gens, que tu puisses mieux appréhender le message que tu vas octroyer aux gens. Là, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Voilà pourquoi Babissot au Komaraba livre, on prend notre temps. Moi, j'ai mon deuxième livre qui est déjà à sa finitude, mais je prends mon temps de revoir. De revoir. Pourquoi? Parce que l'art, ce n'est pas quelque chose qu'on réalise à la précipice. L'art doit s'éloigner du plagiat. L'art doit avoir de la créativité nouvelle. L'art doit avoir du goût et du bon sens. Parce que l'art, c'est beau. Voilà pourquoi vous m'avez mis des pour l'art pour dépenser des millions. Vous avez mis des gens pour son tableau. Il y a 1 million parce que il y a la créativité nouvelle. Il y a le non-plagiat. Quand il voit un tableau, ça lui rappelle les souvenirs d'enfance ou les souvenirs
qui vont l'apaiser. Mais loin du plagiat, voilà pourquoi même au monde a tableau. Sur le plagiat tableau, il y a moto déjà si à Koma, Salam Ambongo, bah vous condamnez. Parce que dans l'art, on veut de la nouveauté. On veut ce qui est loin du plagiat. C'est ça qui fait la beauté de l'art. Dès qu'il y a du plagiat, tu détruis l'art. Dès qu'il y a du plagiat, ce n'est plus beau. C'est ça l'art. Bah quoi ça binoté. Ah résate, bah quoi ça rabatona. Et c'est le voici que non. Dès que le voici que là, il continue à faire mon moto. Et mon sou soit si à quel âge au bébé si art. Au bébé si art. Moi j'ai un ami. A copié 3 ou 4 citations en Ghana. Il y a Victor Hugo, livre n'a pas nul en haut. Pour nous enregistrer à la Bibliothèque nationale de France. Parce que le livre tout haut est là. Le livre loin du plagiat, baza enregistré dans la Bibliothèque nationale de la France. Le livre n'a pas aux femmes, les beautés immortelles. Sont enregistrés là-bas, sont bloqués dans la Bibliothèque nationale de France pour retrouver le livre là-bas. Aux femmes, les beautés immortelles. Parce que c'est loin du plagiat. C'est-à-dire, micro-lotte, on a la vie de Mahamo et Talilar avec quintessence. Parce qu'on est censé maintenant vous apporter des explicités que nombreux ont une ignorance. C'est important. L'art doit être l'alpha et l'oméga de la nouveauté. C'est ça qui fait la beauté de l'art. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous parle ici sincèrement parce que moi-même, je suis un artiste poète. Donc, je ne peux que être contre l'art. Bon. Voilà. Donc, c'est triste, hein? C'est vraiment triste travailler. Au lieu de toujours Bobby Misaraba générique, belé, et aussi la moga le rôle en moumana na bilé. Non, travaillez, tala moninga. Abeta bokoko et kanga. 50 millions de vues YouTube en 2 ans. Ethically historique. Historique, c'est-à-dire que abeti bokoko, pas et kangi. Abeti kaka li kofi. Chanson d'annonce événementiel, tala nenge et kangi. Hein? Vous êtes là à chercher que des polémiques sur Rogaroga, dont vous savez très bien que dans le passé, vous étiez en train de le remercier comme des bombes. Moi, je me pose des questions. Quelle est cette idiotie qu'on vous a instaurée dans la tête que il faudrait que vous puissiez toujours venir faire la parlotte polémiste envers Rogaroga pour qu'on puisse parler de vous? Mais ça, c'est de l'idiotie. Je vous le dis sincèrement, ça, ce n'est pas de la chronique musicale. C'est de l'idiotie qu'on vous a simplement octroyée. Quand tu te dis musicien, la vraie polémique doit se passer dans le travail. C'est la concurrence professionnelle qui va faire à ce que la polémique ait du sens. Vous ne faites que la polémique de la parlotte. Ouais, ça va bon. Je me pose même des questions. Bino bato extra musique. Dans le Kanza na Congo na orchestre ka moko existant ça extra musique. Kaka bino bolega. Histoire moi extra musique, ouais, le belango en tant que qui. Vous n'êtes pas des historiens, vous n'êtes pas des biographes, vous n'êtes même pas des intellectuels. Quand vous écoute, on ricane. Parce que Royoka, Kilambongo, il vient te dire des fratras. Royoka, Durel Luemba, il vient te dire de la fratracie. Donc, on comprend simplement que vous vous mêlez les pinceaux. Comme pour la majorité, vous n'êtes pas des intellectuels. Vous venez simplement s'agripper au succès d'un orchestre dont vous savez très bien que si on fait simplement le vrai constat historique de la célébrité musicale de cet orchestre, on ne pourra jamais vous classer parmi les premiers. Bon, vous en avez peut-être dans la troisième, quatrième place. Parce que eux, ils ont pérennisé succès extra musica, Bino Moko Boyebie, c'est Roga Roga et Espe Bas. Donc, vous croyez que cette histoire-là est une histoire incontournable, c'est une histoire. Non, arrêtez ça. Laissez l'histoire dans les tiroirs. Parlez du présent. Nous sommes dans l'actualité. Kilambongo, qu'est-ce que tu as fait? Bobetia ou le 18 mai, avant mon ingabet dans le casino, jusqu'à aujourd'hui, bah, image de mon abatté. Parce que quoi? Bosalam piaka et mon aile. Mais c'est toujours vous qui venez vous asseoir sur les médias. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas des historiens, vous n'êtes pas des biographes, vous n'êtes pas des écrivains, vous n'êtes pas des intellectuels. Arrêtez ça. Vous êtes des artistes, musiciens. Faites la musique.
Vous devez nous convaincre à travers les exploits musicaux. Je vous donne encore une autre information. L'autre va bientôt donner une nouvelle date pour une salle mythique en France. Vous, les soi-disant adversaires de Roga Roga, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Parce que vous perdez votre temps sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous le redis encore. Les Africains, nous avons un problème. En réalité, on ne comprend même pas l'évolution de la virtualité. On a fait des réseaux sociaux le tribunal de ne savoir que dénoncer pour dénoncer, jaboter pour jaboter, jaser pour jaser. On perd notre temps. Vous croyez que les Occidentaux, ils ont le temps à perdre. Mais c'est leur outil, c'est eux qui ont créé Internet. Ils sont en train de vous distraire, puisque eux, ils sont en train de bâtir leur société. Voilà pourquoi quand je vois certains Africains qui viennent faire les débats sur l'histoire, le royaume Congo, mais vous perdez votre temps. Vous allez réexpliquer l'histoire envers les gens dont vous savez très bien qu'ils peuvent mieux vous discourir sur le passé, même s'ils ont eu à embellir cela. Oh non, ils nous avaient menti. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui vient vous conquérir et vous dire la vérité. Il ne peut que réécrire l'histoire en se disant meilleur. Maintenant, vous qui voulez relater aux gens que l'histoire du passé, qu'est-ce que vous êtes concrètement dans le présent? Vous subissez leur système. Vous subissez leur conviction de la mondialisation. Au lieu de féliciter Roga Roga qui est en train de donner la brillance à ce patronyme musical d'Estra Musica, vous êtes là à vouloir lui faire une guerre que je trouve simplement bête. Ça devient même pas une guerre, ça c'est des guéguerres que vous êtes en train de réaliser. Oh non, Roga Roga, oh non, Roga Roga. Bokomi sa combat Roga Roga et la manabine. Mais c'est triste. Moninga ucho beta casino. Oyo bino bo telemelaki bato mité mama b. Bato oyo bazaba sorcier. Il reçut son casino de Paris. Vous ne parlez plus. Bokomi na gacha mutisme. Vous êtes triste, hein? Et ils sont là-haut, on veut le progrès. Vous voulez le progrès de la musique du Congo? Bon, les mêmes musiques pour la majorité. Moi, je ne peux pas comprendre un musicien que tu puisses passer 1000 émissions. Mais musicalement, tu n'arrives pas à t'imposer. Tu es bête. Excusez-moi, je ne vous insulte pas, je vous dis sincèrement la vérité. Parce que le musicien n'est pas dans le porte-parole. Le musicien est dans la faisance musicale pour convaincre et sans doute s'imposer. Et je vous informe. Le festival Black Micmac, nous venons de décrocher une star du Nigeria qui n'est pas trop dans les polémiques, bêtement dans la musique et simplement appréciable au Canada. Il va jouer là-bas. Et vous êtes là en train de m'écrire, oh, Levan, faut sélectionner les musiciens congolais. On va vous sélectionner parce que votre musique joue. Hein? Oh non, Levan, c'est bien. Mais moi, je ne veux pas sélectionner les gens qui iront me foutre honte. Mais il vient d'où? On ne le connaît pas. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous perdez votre temps dans des polémiques maïeza, des pages maïeza, au lieu de travailler. Hein? Pour moi, MC Baba, vous étiez content ici, là. Hein? Vous êtes content d'écouter ça. Vous étiez content d'écouter. Ça fait le tour du monde. Ah, les blancs parlent de ça. Mais le seul musicien de la musique rumba congolaise qui a eu le toupet de féliciter à tue-tête ces genoux-là, c'est Roga Roga, qui s'est même déplacé de chez lui, qui est parti féliciter ces petits-là. Une manière de les consolider dans leur avancée musicale. Motokena na baseron, Roga Roga. Bolo belaka, eh? Nambokana ka Roga Roga, motasala ka musique. Il y a rumba congolaise. Et parce que c'est un artiste, il a compris que le petit là, Patel Maestro, c'est un petit encouragé. A même moment, on a stade Massamadeba. Oyo, Aza, le seul artiste, au Bananaba, Bantu de la capitale, jusqu'à Lelo. Oya, ça l'espoir, oya, ça l'a rempli stade Wana. Mais Tala n'a pas sa visibilité dans le petit Wana. Roga Roga, Jouana. Azoa courage à Kolobana, peuple pour soutenir Nouvel Horizon, pour soutenir Patrou de Star, pour soutenir Babi Jussier Kongo.
bino bosi bosalango bino nouvelle aux abo lobaka kili kilia ona nous on est pour le progrès de la musique bosi bosalango na ba concert na bino. On va vous dire des vérités ici, tellement vous êtes animés par la haine, la jalousie et la sorcellerie. Bino bosi boloba même na concert. Merci Roga Roga pour peu sa visibilité. Est-ce qu'il avait besoin de dire ça? Parce que Roga Roga, qu'on le veut ou pas, il est déjà au summum de la célébrité de sa faisance musicale. Il n'a rien à prouver. Assis à côté de l'histoire. On a tambola parfois na roi Zebira na Paris. Faut mon anenge bato tango ba reconnaître. Ah, c'est Roga Roga. Na mona ba Camerounais ba lela na isengo tango ba mona Roga Roga na nzela. Ah, Roga Roga, Roga Roga. Ah non, toi tu as marqué mon enfance avec ta musique, avec ta guitare, avec tes chansons. Polémique générale. Bino marqué ba donani, bo marqué ba donani. Quand on va dire les vérités sur les ventes contre. Vous êtes fous, hein? Moi je peux être contre des gens qui font le plagiat. Moi, écrivain de mon état, poète de mon état, je vais être contre des gens qui sont en train de réaliser des chansons qui ne sont même pas célébrissimes. De ma guise que vous êtes. Alors, on a Bambi qui dit « Acceptons Roga Roga pendant qu'il est vivant. Sinon, vraiment, après lui, la musique serait un tombeau vide. » Merci, merci. Merci. Sachant apprécier les gens de leur vivant. C'est toujours impérieux. Voilà, Levan Valentin. L'homme qui ne sait que dire la véracité des faits. Parce que je ne suis pas dans les chuchotis. Et ni dans la fatlasie. Zaparotika Plaja. Travail. Travail. Au lieu de te décaper la peau comme une efféminée. Oh, travail, Zaparo, pour travailler. Pour travailler. Bon, que Dieu puisse vous bénir, on est ensemble. Rodrigue, le Béninois, qui me dit Roga Roga est le baobab de la musique au Congo. Exactement. Et il est aujourd'hui la légende musicale de ce grand continent très historique, très magnifique. L'Afrique. Quand on parle des grands musiciens d'Afrique, on cite Roga Roga. On ne cite pas les sonores, on ne cite pas les apparos. Les apparos, c'est des bombés, c'est des frétins. Donc voilà, respectez l'homme qui vous a donné de la visibilité. Celui dont vous avez hier appelé patron. Patron. Motofutabino, faut respecter. Donc voilà. Na yo ke ba petit style za iko kuna ayaya. Ah, chikale ka bo petit style les bontu de la capitale. Na chat independence, chat chat tu bagiri. Sonore, c'est ça que tu vas bientôt jouer au jeu ici. Au lieu de créer, yo ka ki plagino, ki plagino, ou plagia plagia. Ma ouais. Bon. Encore pour simplement vous rappeler, continuez d'acheter mon livre « Aux femmes, les beautés immortelles » de Valentin Prince Levan. Ici, il n'y a pas du plagiat. C'est de la créativité culturelle qui a du bon sens. Nous parlons avec les œuvres parce que c'est impérieux. Il faut qu'il y ait du distinguo maintenant. Bon, ça c'est Rodrigue qui le dit, hein. Les musiciens de Nouvel Horizon devraient laisser la musique et commencer par la conduite de taxi. Bon, bah, on va parler de taxi, man. Ambanzi. Donc voilà, mais l'information capitale, c'est avant tout dire au féru de la musique congolaise que je vais recevoir un artiste de la République du Congo qui est frustré que l'une de ses chansons puisse être plagiée par Koffi Olomide. Il y a eu la musicalité qui a été plagiée et même les paroles distillées par ce musicien. Donc, la chanson c'est Ruby et Koffi Olomide a notamment plagié les paroles de cette chanson Ruby pour mettre cela dans sa nouvelle chanson Nathalie Boutiful, Nathalie Boutiful, dans son opus Platinum.
Et les paroles ont été simplement un peu modifiées, mais dans la généralité, c'est les mêmes paroles, la même musicalité. Et je crois que cet artiste se sent simplement attristé que cela puisse ne pas être dénoncé. Mais il va passer par le canal de mon émission. Vous allez simplement l'écouter et on va monter au créneau pour que cette chanson puisse être même signalée et qu'on puisse dénoncer ce plagiat parce que ce n'est pas quelque chose de normatif. Nos artistes sont des bâtons et lorsqu'ils sont dans la création de quelque chose que eux-mêmes ils se sont bel et bien levés pour que cette chose soit une nouveauté, on doit respecter cela. Donc il passera dans mon émission, vous allez l'écouter et il pourra simplement nous apporter la clarté sur cette chanson Ruby qui a été plagiée par Koffi Olomide et sa désolation aussi sera simplement exprimée. Travaillons, c'est important, travaillons. Je ne peux pas clore mon échange avec vous sans saluer le PDG Elvis Ngabantsilou et je salue énormément le président Freddy Maungu, le président du festival Black Mic Mac et je n'oublie pas aussi de saluer le PDG Fiacre Ibombo, le PDG Fiacre Ibombo, héros, voilà. Et je salue énormément mon frère, le président Stavel James. Je salue aussi président Marie Ikama, champion, maître. Nagine Sengoto Kutana, papa, tu solis bien. Et je salue aussi Osiris Akobo, le meilleur. Je n'oublie pas de saluer sans doute vous qui me suivez, qui me soutenez de près et de loin. Je salue aussi mon frère Vara de Komodo. Et je n'oublie pas aussi de saluer toutes ces personnes qui ont acheté mon livre. Hein? Maman Goubi, vous êtes nombreux. Ted Away, hein? Yaya, Ted Away, le Canadien. Mais, dans la sanité, l'empereur Zebira. L'homme du plein du casino. L'empereur Zebira. Ce qui est dans la salle, dans la salle mythique, c'est qu'on finit à été, comme qualité. Ah ouais, vous avez simplement l'artiste hein, Fabregas qui avait annoncé depuis il y a déjà plus de 5 mois qu'il va jouer au casino de Paris. Il n'arrive pas, il est en train de se battre pour faire le sold out. Donc, n'exigez pas seulement à nos artistes de faire le plein. Il faut que vous puissiez exiger à nos artistes de travailler. C'est impérieux. Bon, vous savez, il y a toujours des faux managers. Hein? Il faut qu'on puisse dénoncer ça aussi. Les faux managers, Kovo, Itune, Timboa, les faux baladeurs, là, on doit simplement les dénoncer. Donc, c'est impérieux. Que Dieu puisse vous bénir. C'était simplement un moment d'échange que je tenais à partager avec vous et à remercier tous ceux qui ont déjà acheté mon livre parce qu'on est déjà dans une cinquantaine hein, de livres vendus, c'est déjà un plaisir énorme pour moi. Voilà. Écrivons la vie, parce que la vie, elle n'est pas éternelle, mais elle est belle.